Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, c'est votre humble serviteur Héritor, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Ouais, j'avais annoncé cette vidéo là concernant Serge Bruno. Oui, j'ai une très bonne information, je dirais, à vous partager concernant Serge Bruno. Parce que beaucoup l'ignorent, mais il serait bien d'en parler. Et une autre chose, j'avoue que j'ai été méchant. Je reconnais que j'ai pas été correct vis-à-vis de cet artiste là qui mérite quand même nos encouragements. Parce qu'il fait quand même beaucoup. Il essaie de se démerder tant bien que mal. Et il est l'un des rares qui s'en sort vraiment très très bien. Et il est vraiment à féliciter. Bien vrai qu'il est très bien organisé. Je sais qu'il n'a pas besoin de ce soutien là encore. Mais il serait juste d'en parler, voilà, parce que beaucoup l'ignorent, comme je l'ai dit. Donc, sachez que cette vidéo-là, elle est destinée à tous les fans du Coupé Décalé, et spécialement aux fans de Didier Arafat. Pourquoi les fans de Didier Arafat? Je vous explique pourquoi. La Chine, vous savez que tout le monde est déterminé actuellement à faire obtenir le disque d'or de Didier Arafat. Et c'est bien, c'est louable. Mais ne soyons pas égoïstes, ne pensons pas seulement qu'à Didier Arafat, parce qu'il y a d'autres artistes qui sont là, qui ont déjà mis leur album sur le marché. Et nous n'en avons pas trop bien parlé. Est-ce que vous ne savez pas, comme je l'ai titré, Serge Bruno est proche de Dix Dor. Sans qu'il ait fait vraiment beaucoup de communication dessus, il est vraiment vraiment proche de Dix Dor et il faut qu'on l'aide pour ça. Voilà, il faut qu'on l'aide à l'obtenir rapidement. Je pense bien que depuis la sortie de son album Accéléré, je pense bien qu'il a dépassé la barre des 40 000 ventes. Voilà, donc normalement et logiquement, si on se démène à lui faire encore 35 000 ventes, que ce soit en vente physique comme en streaming et en téléchargement sur les plateformes payantes, ça pourra l'aider à l'obtenir rapidement. S'il obtient avant Didier Arafat, c'est pas bien grave. Si Didier Arafat obtient avant lui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, donc il serait bien de vraiment se concilier nos forces à aider tous nos artistes. Voilà, moi j'aimerais que les fans du Coupé Décalé aient cette culture là d'aller acheter sur les plateformes payantes. C'est très très important, c'est pourquoi je fais cette vidéo là. Donc sachez que Serge Bruno ne m'a rien donné, parce que vous, malheureusement, quand on parle d'un artiste, lorsqu'on essaie de faire l'éloge d'un artiste, qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est qu'il y a forcément un Guy Souroche. Non, moi je fais les choses librement, personne n'est mon chef, je suis le seul chef de ma chaîne Héritor Recherche TV, je parle de qui je veux et comme je veux. Donc j'invite toute la chaîne, tous les fans de Serge Bruno, les fans de Debordoli Koufoua, les fans du Coupé Décalé, de Léo, de Kedivara, de Mix, parce que Mix même arrive à son album. Voilà, Empire, n'oublions pas aussi, il faut qu'on se concentre aussi à rehausser vraiment l'image de nos artistes Coupé Décalé, c'est très important. Donc je vous demande humblement, comme on le fait pour Didier Arafat, de se bousculer aussi maintenant pour Serge Bruno, parce qu'il le mérite. Voilà, il le mérite amplement. Voilà, ne rentrons plus dans cette bassesse de classe, de comme quoi il est orgueilleux, il est gonflé. Chacun a ses raisons, c'est ce que je dis toujours. Ne restons pas là à juger pour ne rien dire en fait. Voilà. Donc j'invite tous les fans du Coupé Décalé à soutenir, même tous les fans de la musique ivoirienne et africaine qui sont fans de la musique de Serge Bruno, à aller acheter l'album Accéléré. Voilà. Moi je vais me débrouiller à acheter cet album là. Franchement, je ne sais pas combien il coûte, mais je vais me débrouiller à acheter cet album là. Parce que 1, ça fait déjà beaucoup. Voilà. Si 1 plus 1, ça ajoute, ça fait 2. Donc ça veut dire que si on s'aide vraiment, si on s'entraide vraiment, ça peut apporter bon résultat. Voilà, donc je compte vraiment vraiment sur vous les amis, je compte énormément sur vous. Serge Bruno est proche du Dix Dor, voilà, en matière de vente, voilà. Et chinois aussi, ça peut fouetter votre orgueil pour que vous accélérez vite les ventes, voilà, de votre Didier Arafat, pour qu'il obtienne aussi son Dix Dor avant celui de Serge Bruno. Sinon, cette vidéo elle est dédiée et elle est destinée à Serge Bruno, voilà. Changeons de mentalité, aidons nos artistes, voilà, c'est bien beau. Ils nous ont fait danser gratuitement, on a téléchargé les sons gratuitement pendant de nombreuses années, on m'a dit pendant plus de 10 ans. Et si ils ont décidé de monnayer ce qu'ils savent faire, il serait bien de les encourager. C'est pourquoi je fais cette vidéo là. Donc grand big up à Serge Bruno pour ton album Accéléré. Grand big up et big up à Didier Arafat pour ton album Renaissance. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Voilà, c'était l'information que j'avais à donner sur Serge Bruno. Partagez-la, parce que Serge Bruno doit obtenir son Dix Dor aussi. Voilà, donc cette fois-ci, c'est opération Dix Dor, Serge Bruno et Didier Arafat. Parce que pour l'instant, c'est les deux que je connais qui ont sorti un album officiellement. Voilà, donc je compte sur la Chine, je compte sur les moyens, je compte sur les fans de Mix, je compte sur les fans de la musique ivoirienne, je compte sur vous les amis. Partagez la vidéo si elle vous a plu et ciao ciao.